Bonsoir tout le monde, bienvenue ou bien bon retour sur cette chaîne. Moi content de retrouver nous, vous venez quelques jours, bah ouais. Je dis dans une dernière recette, c'est nous dans la saison mango. Eh bien, on a profité d'utiliser mango et autre que couper le manger ou bien faire tout avec. Nous avons fait dernièrement un confiti avec mango. Je dis à nous faire une tarte au mango. On a une tarte aux pommes, une tarte aux cerises, une tarte aux paquets de fruits. Ok? Une tarte aux poires. Mais je dis, nous allons faire une tarte avec un fruit local, un fruit que nous connaissons en Haïti. Bon, que nous avons presque tout côté. Même côté que pas fait, ils ont importé mango. Donc aux États-Unis, ils ont importé un pile mango qui sortit Haïti. Je dis, même si aux États-Unis, on a un café avec mango qui sortit Haïti sur le marché, ou t'as supposé jouer. Avant de regarder tout ça, on a besoin pour nous faire recette ça. On a changé toute membre chaîne. Ok, nous gagnons de nouveaux membres. Mais non, yo. Et puis, on a changé tout ancien membre qui l'a quelques jours. On voit qu'il a longtemps, tant que Caroline Ostiné, tant que Néerland Gaëtan, tant que un pile monde, tant que Yuna fidèle qui n'a chaîne qui est Brunette Joseph qui toujours dans premier nous qui toujours là. Merci Brunette pour fidélité. Même laisser l'autre vidéo de mettre qui fait rien à voir cuisine, Brunette toujours là. Ok? N'a pas salué Brunette, n'a pas salué Judy Pierre, lui, n'a pas salué tout en roulant, tout fidèle, membre. Ok? Ça n'a pas regardé là, c'est non membre, soit en vivant membre, cliquez sur le bouton Join qui est en bas vidéo, ça, ou bien des portes vidéo qui sont chaîne. Ok? Et puis, on choisit un plan. Nous avons un plan diamant, nous avons un plan saphir, nous avons un plan or, nous avons un plan argent, nous avons un plan super phare. Ok? Ou bien, si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez faire café, vous pouvez faire par PayPal, même j'ai Judy Pierre-Louis, même j'ai Evelyne Sirius, même j'ai un paquet de monde encore qui supporte la chaîne par PayPal, dans gaspardorelien@gmail.com. Ou bien, si c'est un Haïti, vous pouvez supporter toujours par mon cash. Ok? Dans 36 72 25 58. On a regardé tout de suite ensemble ingrédients. On a besoin pour nous faire tarte à la mangue. Ensemble ingrédients on a besoin pour nous faire tarte à la mangue. Comme c'est tarte à la mangue n'a fait, on a besoin mango. Là nous gagne 4 belles mango. Alors qu'a fait la n'importe qui mango jaune, même si c'était mango fil ou jaune ou qu'a fait la velle, on a besoin de nous gagne bon mango français pour nous préparer un caramel. Nous pas mettre dans tarte là, on a besoin d'un bon citron jus, d'un bon citron pour nous préparer pâte sablée, on a besoin d'un jaune d'œuf, on a besoin environ 300 g farine France, c'est environ 2 tasses avec un petit cassoulet, c'est environ une tasse presque et demi, on a besoin de demi tasse sucre, 5 centilitres d'eau. Là c'est moins qu'à rajouter, mais on peut bouger mettre, on a besoin essence vanille. Pour nous mettre dans caramel na préparé ya. Pour nous faire pâte sablée, on a besoin yon bâton et demi beurre. Et puis l'autre beurre ça c'est pour nous préparer reste beurre c'est pour nous préparer caramel là. Mais sous l'eau tu as toujours fait avec l'eau.
Là, c'est moi qui ai ajouté ça dans le caramel là. Mon problème, j'ai mettel, mais c'est pour bal. Non seulement parfum avec goût, j'ai besoin d'un petit cannelle avec un petit muscat en poudre. Et puis pour, pour pâte sablée, j'ai besoin 5 g de sel fin. Bien entendu, pour faire tarte là, j'ai besoin d'un moule à tarte. Nous changeons, c'est le même moule que j'ai utilisé pour me faire tarte à l'oignon. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo avec matériel ça n'a besoin pour nous faire tarte à la mangue. Comme pour faire caramel là, ceux qui parlent caraméliser la pointe, on a commencé avec elle et puis après ça on va le prendre dans le bagage. Alors, s'ouvre l'eau qu'a fait avec l'eau, l'eau qu'a fait avec beurre. On a fait avec beurre nous. OK, on a metté beurre non, casserole. On met bien petit chaud. Et puis le sucre, on va mettre en 2 minutes à sucre. Puis on mélange. OK. Les sucres là, la boîte c'est pour faire aider les sucres là à fondre, puis vite. Les sucres là commencent à fondre, nous allons ajouter l'autre ingrédient. Bon, j'aime bien dire, caramel ça, on café avec l'eau, mais avec le beurre, elle a bien meilleur goût. Comme c'est bien. On a ajouté bon citron, jus non bon citron. OK, on a ajouté un petit muscade. Cannelle, poudre. Ça va ajouter équivalent un petit cuillère essence vanille. OK, tout ça mettez là. Non seulement baille caramel moi un petit bon goût, mais la balle bon odeur tout. Ce qui va contribuer à avoir à nous donner un temps plus intéressant. OK. Eh bien, on fait du temps. Je vais baisser du feu à là. Talène va éteindre du feu à là. OK, nous va plus quitter le bouillon davantage. Là, nous gétant gagné. Ouais. Caramel nous là. Qui va le bail. Ça prend vraiment super goût. OK. Eh ben fini, nous donne du feu nous.
nous allons passer à confection de notre pâte sablée. Alors, on fait pâte sablée sous chaîne ça déjà. Pâte sablée, c'est une pâte de base en pâtisserie qu'a utilisé pour faire on pile recette. Ok, on fait un puits dans le mi-temps là, on a été celle-là. Ok, et puis nous mettez celle-là, la font mélanger. Celle-là avec farine. Ok. La font l'autre puits encore. Maintenant, on va ajouter notre beurre. On a un bâton et demi. Peut-être avec autant de beurre, nous n'avons pas même besoin de l'eau. Mais nous avons 5 cl de l'eau. Tout dépend de la farine qu'on va utiliser. J'ai une farine absorbée. Et les mots ajoutés là-dedans. Peut-être nous avons besoin de l'eau, peut-être nous n'avons pas besoin. Ok. Ça nous fait là, c'est justement ça qui est l'établage là. Intégrer beurre dans la farine. Bon, là, on finit d'intégrer tout le beurre dans la farine. Ok, on vient d'ajouter jaune d'œuf noir. Alors, jaune d'œuf noir, ça plus. C'est bien, il y a une capacité bien comme un poulier farine plus donc la mélanger. Oups. Ici, on va mettre le seul coup. Hein. Au fur et à mesure et au besoin, on va ajouter de l'eau. Parce que faut pas là, pas ni trop mou et faut pas pas sortir trop sec. J'en ai regardé là, il est très sec. Ok, on a besoin aussi de l'eau. C'est pour avoir pas là. Ok. Là, on va faire une pétrie d'assez. On va quitter le reposer là. Pendant, nous allons occuper nous de l'autre bagage. On a besoin pour cette là. Ok. Ouvrir là pendant on va l'occuper, on va faire un petit là. Ok, puis ensuite pour nous on fait un nettoyage. Ensuite, maintenant et ensuite pour aller occuper de l'autre bagaille, on a besoin pour cette. Ok, on y a en occupant de mangou que nous lavé déjà. J'aime bien dire en commencement, le café avec mango, joint, mango, rien. Mais cherchez plus mango qui est un petit genre plus ferme, qui
qui a plus résisté à la cuisson. Faut m'avoir pas trop mu. Bah, dis ma gauve, non, mais faut m'avoir pas trop mu. Opération qui est assez délicate mais facile à faire, c'est la découpe des mains. Mon genre pour couper mes mains, je vais le faire top là. Ok. J'en ai un manguio comme ça. Ouais. Ok, là, j'espère qu'on a suffisamment de mangue pour remplir notre moule. Ok, ça y est, c'est pour nous manger tard. Ok, on met les mangues de côté. Ok, on y a, nous allons abaisser la farine noire. Enfin, pâte là. La farine et l'espace là. On va pâtisser à tout. Ok. On a pris un fond moule noir, on a découpé. Mes yeux fond moule là. Okay. Ça, on a besoin de pita. Ok, maintenant, on va passer tout de suite à montage tarte noire. Ok, on est dans le fond moule là. Ok, on a versé notre caramel. Ok,
Bon, montage va commencer qu'on y a là. Alors, comment on a fait? On a placé franchement nous. On va le tapisser. Ok? Tout le monde là avec tranchement. Ok? On fait assez serré comme ça. Mettez un petit morceau pour nous boucher tout petit joint. Ok, maintenant, nous faisons le premier fond. Nous allons voir si nous avons une deuxième couche. J'espère qu'on aura assez de manger. Ok, ça a été tout juste. Ok, quand c'était mal nous gagner. On a ça n'a juste fait. Ok, alors en tout temps nous lui mais faut nous un cap chauffer. Ok, c'est lever pâte là. Ok, alors l'en fin recouvrir mal nous gagner avec farine. Ok, n'a juste fait un petit trou, n'a mis dans la comme ça pour créer une espèce de cheminée. Ok, et puis ensuite, on va juste mettre le four à 250 degrés pour 30 à 35 minutes. Ok, on va mettre le four à la boîte à l'air. Après plus de 40 minutes, nous allons fumer là, on va peut-être pas droite. Ok, là, commencer. Notre tarte est fin prête. Ok. Ok, pour nous, celle bagaille nous aider pour faire là, c'est démouler. Alors, comment vous démouler là, comment vous présenter tarte là? Alors, le présenter là, alors face à qui gagne. Alors ça que l'autre mettre dans le four, c'était façon les comme ça ou tu mettre pâte là sous lui même sans balle bralé. OK? Eh ben ça fait qu'on y a c'est mettre un récipient ou bien une assiette etc. On va le mettre là sous lui comme ça. OK? Et puis on va prendre comme les chaud, tu j'ai chaud là. OK? Et puis on va virer rapidement dans l'autre face. Et puis, délicatement, on va retirer le couvercle en bas. Mais sauf que il risque de décoller ensemble avec. Un bon morceau mango. Mais c'est là qu'il faut qu'il le fouette. Ok? Non, qu'il le fouette plutôt. Parce que là, il risque de décoller ensemble avec un paquet de morceaux mango. N'a quitté le fouette. N'a présenté lui comment il y a. Alors, je vais le mettre là et comme ça, et puis on va juste retirer le couvercle là. Ok? À tout à l'heure pour la présentation. Avec cerise,
Eh bien, nous-mêmes, nous avons mango, on a fait avec mango. Ok? Nous sommes obligés à le faire avec, avec pomme seulement. Et comme si nous voulons, il pire bon longtemps que tarte aux pommes. Ok? Parce que de toute façon, mango est plus bon que pomme. Ok? Pas rien de discussion dans ça. Mango est plus bon que pomme. En termes de goût. Ok? Alors, ok? Nous allons aller rapidement, goûteuse là, qui fait sur le faire un workout là, live. Sous chaîne bien là, il va même bien changer là, la toute tenue, l'espoir là, là. Vous comprenez? La vie goûter pour nous, pour le dire nous. Bah, monsieur, vous voilà, pour la petite date. Hello tout le monde! C'est un coach là, Shelby. On s'en va écraser. C'est un workout là, vous comprenez? Un Summer Body Challenge. Pas de nous faire l'espoir, tout le monde est fou. Donc, l'homme fini là, il paraît. C'est pas mal fort parce que justement c'est un sexy challenge. Exactement. Mmh. Mmh. Bon, 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 pas goûter, pas goûter le chou. Pas si bon goût, bien pas mal fort. Tu te laisses en point de vue. C'est vraiment délice. Le coin que j'aime à vous déjà. Yeah. Oh, on va vraiment, on finit là. Oui. Allez, bon, il faut le goûter, il faut le goûter. Oui, justement, premier top de pomme, ami. Top mango, hein. Oui, mais non, depuis le film, c'est qu'il faut goûter tout, il faut goûter la police. Mm-hmm. Et décris avec des mots ce qu'il y a de ta bouche là maintenant. Dis-moi. Ce mariage sucré de. De la mangue à la pâte. c'est une pâte sablée. Mm-hmm. Vraiment, c'est très harmonieux. Hein? C'est vraiment un délice. Est-ce qu'on prend un bon caramel là, qui est fait avec beurre? Moi-même, m'ajouter essence avec cannelle et muscade. Caramel avec sorte de sauce, ça. Mm-hmm. Donc, yes. Très bon, vraiment. M'encourager à nous faire. C'est un très bon recette là et puis bâton. Alors j'allais dire que c'est un très bon dessert pour changer un peu, pour ne pas arrêter seulement un gâteau ou bien un bon. Ça fait même qu'on est deux, troisième ou quatrième dessert bah nous, dès qu'on dessert d'inventé. Justement, t'es un mangue et qui te fait ta mangue doux. Ok, donc ça c'est un autre dessert et nous offrons. Bon, on te fait comme à la glace déjà. Donc, et pendant l'été, pendant ces périodes mangoa, profitez pour faire ces mangio, goûter, comprenez, profitez de mangio sous toute forme. Nous avons confiture mangue là, même bien plusieurs bocaux. Bon bocal là, je vais faire macaron rigado. Bon, malheureusement, madame macaron rigado, bah on se macaron a bien chance pour goûter. Ok, donc voilà. Eh bien, moi je vais enjoy ce tapman là, bien que maintenant challenge en tout, mais comprenez, mais quand ça va bon, c'est moins... ménage, oui, ménage. Hein, c'est ménage, Macanry. Alors, Macanry de Yes to Love, on va parler. Ok? Maintenant, je vais vous montrer un petit assouet. Comprenez? À bientôt. Allez, c'est elle, Noël. Je ne vois là le facile. Alors, bien que. Moule multiplié, pas nécessairement moule ça pour faire top. En tout cas, utiliser le moule qui est plus royal, qui est comme si qui est plus bordure, qui est plus royal que ça utilisé là. Ok? Mais de toute façon, c'est pas grave. Vous faites. Et c'était bon. Ouais. On vit une bonne semaine, on peut dégager. Non, ça va. Filmez-moi. Ok. Why much?